Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. Non, je triche, en fait on est lundi parce que hier j'ai fait un petit peu plein de choses et du coup j'ai complètement pas eu le temps de faire ma vidéo. Donc on va faire un petit peu comme les enfants. Quand les enfants ont oublié de manger le chocolat numéro 15, eh ben du coup le 16, ils mangent le 15 et le 16. Voilà, donc nous on va manger deux chocolats aujourd'hui. Où on va plutôt ouvrir deux fenêtres. Et la première fenêtre, ça va être celle du 15 décembre avec Jean-Charles. Jean-Charles m'a envoyé un message pour me parler d'amour. Ça m'a fait un peu sourire parce que, je sais pas, habituellement, c'est plutôt des femmes qui viennent me voir pour me dire qu'elles sont dans des situations sentimentales, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop où se situer, qui, comment, pourquoi. Et là, c'est un homme qui s'adresse à moi pour me parler d'une histoire très compliquée. Et je me dis, mais Jean-Charles, tu vas prendre pour tous les hommes? Parce que je t'explique, tu peux pas t'imaginer le nombre de personnes qui sont venues ici dans mon bureau pleurer ou au téléphone et tout ça en consultation. Les femmes qui sont perdues, qui ne comprennent pas les hommes parce qu'on ne vous comprend pas. C'est clair qu'on ne parle pas du tout le même langage, hein, ça c'est certain. Donc ça m'a fait un petit peu sourire. Je vais lire ton message parce que ça va permettre à tout le monde de bien comprendre. Alors, la question que tu me posais tout de suite, c'était « Certains diront qu'aimer est la plus belle chose qui soit, mais comment aimer quand on ne sait pas ?» En voilà une bonne question. Ensuite, tu m'expliques quand même ta situation. Tu me dis que tu as été élevée dans une famille où on n'exprime pas ce qu'on ressent, où l'apparence, c'est tout ce qui compte, et on va jamais en profondeur, en fait, hein, dans tout ce qui est, on va dire, la partie émotionnelle. Donc, tu me dis, sur la photo de famille, j'ai réussi, je suis mariée depuis 25 ans, je suis papa de 3 beaux enfants, bon travail, belle voiture, belle maison, aucune ombre au tableau, on pourrait croire que tout va bien dans ce bas monde. Et en fin de compte, il y a 6 mois, tu rencontres par hasard, qui n'existe pas, bien entendu, une femme d'un milieu très éloignée du tien, pardon, avec des principes de vie complètement différents. Cette femme t'emporte, j'ai trouvé ça très beau ce que tu disais, cette femme m'emporte au sens propre comme au figuré dans des instants de vie que je n'avais jamais connus auparavant. Donc là, tu commets la faute, hein, voilà, tu t'embarques dans une histoire avec cette femme. Cette rencontre te fait comprendre qu'à l'âge de 50 ans, tu ne connais rien d'autre dans la vie que le travail et la réussite sociale. Et ça, c'est rigolo parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui sont comme ça, mais bon, on va revenir là-dessus. Tout cela me fait peur et je coupe les ponts avec elle. Je me rends compte que je suis passée complètement à côté de ma vie et depuis, je suis malheureux comme la pierre. Alors pourquoi, Elisabeth, si on voit le côté un peu spirituel de la chose, pourquoi cette rencontre a eu lieu si c'est pour me faire autant de mal? Tu vois d'où on part? Bon. Alors, Jean-Charles, on va essayer de prendre les choses en l'ordre. Déjà, première question que tu me poses, c'est certains diront qu'aimer est la plus belle chose qui soit, mais comment aimer quand on ne sait pas? Donc là, ça veut dire concrètement que peut-être que dans ton éducation, moi je suis persuadée que tout ce qu'on vit entre 0 et 12 ans est déterminant pour notre avenir. Donc tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous fait et tout ce qu'on nous dit. Donc si tu es formaté, tu vois, par ton éducation, où bah, il faut se tenir, on ne parle pas de sentiments, il n'y a pas d'élan comme ça, de câlins, de tendresse, etc., bah, tu vas être formaté comme ça. Donc, tu vas évoluer dans un monde où, finalement, pour séduire papa et maman, on fait tout simplement ce qu'ils attendent de nous. Ah oui, les parents, ils sont comme ça. Si tu travailles bien à l'école, eh ben, ce sera parfait, mon chéri. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu veux que tes parents ils soient contents. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu travailles pour avoir des bonnes notes. Et puis, papa et maman sont contents. C'est bien. Bravo. Super. Voilà. Donc, tu fais, en fait, ce qu'on attend de toi. Et très souvent, c'est très drôle d'ailleurs, parce que... Enfin, très drôle, je sais pas. Mais
très souvent, je me rends compte que le genre de personnes, en fait, un peu comme toi, Jean-Charles, sans vouloir t'offenser, très souvent, c'est des personnes qui vont reprendre l'activité de papa et maman. C'est-à-dire qu'il est fort probable, Jean-Charles, je ne connais pas ta profession, mais il est fort probable que tu aies fait la même chose que ton père ou la même chose que ta mère. C'est-à-dire que si papa était gendarme, t'as voulu être gendarme. Si papa était chef d'entreprise, t'as peut-être même repris l'entreprise de papa. Tu vois, je pense qu'il y a une espèce de comme une relève, si tu veux, où si papa et maman ont fait ça, bah moi il faut que je fasse aussi quoi. La réussite c'est ça. Si eux ont réussi là-dedans, moi il faut que je réussisse aussi. Donc je pense que notre éducation a vraiment un poids très important sur notre émotionnel, notre façon de vivre, notre façon d'être, etc. Toi, ce qui t'arrive en fait, c'est que on t'a pas appris l'aspect émotionnel des choses. Et peut-être que t'as manqué d'affection, peut-être qu'on t'en a pas donné, ou peut-être que c'était maladroit, ou peut-être que tes parents ils étaient pas doués pour ça, ça arrive aussi. Et que du coup, tu vois, ça se transmet. Donc le problème, on va dire, affectif et émotionnel que tu as eu, tu vas le reporter aussi, si tu coupes pas le truc, tu vois. Tu vois ? J'arrive pas à aimer parce qu'on m'a pas appris à aimer. Ou j'arrive pas à aimer les autres parce que je m'aime pas moi. Tu vois, il y a toujours une question de relation à l'amour qu'il faut réussir à définir. Mais après, je te dirais, Jean-Charles, que la situation dans laquelle tu es, c'est une situation que j'entends très souvent. Donc, pas de panique, je pense qu'il existe des solutions. Et quand on ne sait pas aimer, effectivement, il faut commencer par s'aimer soi-même. Hein. Ça, c'est la première chose. Et puis après, peut-être qu'il faut entamer une thérapie, justement, parce que moi, je suis pas psy, hein, j'ai pas fait d'études là-dedans, mais je pense qu'un bon thérapeute peut t'aider, justement, à mettre des mots sur les mots pour réussir à reconstruire quelque chose au niveau émotionnel. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais te donner. Je sais que je parle souvent des psys, mais c'est important parce que, franchement, ces gens-là, ils sont armés pour nous aider à comprendre et à faire en sorte que... Les médiums, ils ont des limites, hein. Moi, je peux pas aider tout le monde, mais... Il faut bien comprendre que l'aspect psychologique, c'est quand même, pour moi, en tout cas à mon sens, c'est quelque chose de très important, d'être bien construit sur ce plan-là. Donc, fais appel à des thérapeutes, explique ça et tu verras que tu auras un aspect psychologique qui sera beaucoup plus bâti et fondé que moi, bien évidemment. Ensuite, tu me dis, il y a à peu près 6 mois, tu rencontres par pur hasard. Moi, j'y crois pas une seconde, je pense que toutes les rencontres sont programmées à l'avance. Tout ça, c'est comme dans un film de science-fiction, si tu veux, Jean-Charles, où il y a un script, tu vois, il y a un script. C'est prévu que tu rencontres telle personne, c'est prévu qu'il se passe ça, et je pense que les âmes se rencontrent avant que notre corps physique, les corps physiques se rencontrent. Enfin, ça, c'est mes croyances à moi, donc voilà. Donc, tu as rencontré cette femme qui vient, bien sûr, d'un milieu complètement différent, qui a aussi une vision qui est complètement différente, donc forcément elle t'apporte quelque chose, tu dois te dire mais c'est une extraterrestre, d'où elle vient, donc forcément tu te laisses complètement emporter, je dirais que jusque là c'est complètement logique, hein. Mais complètement emporter ça peut aussi faire peur, et je pense que justement c'est la peur qui t'a rattrapé, tu t'es rendu compte que oulala, dans quoi je m'embarque, qu'est-ce qui se passe, je perds les pédales complets, tout l'aspect tu vois, sécurité. Parce qu'en général, les gens comme toi, ils ont besoin de sécurité. Donc, tout est calculé, il y a de la maîtrise sur tout. Et puis ben là, boum, tu maîtrises rien. Ah, moi n'a peur. Moi perds le contrôle. Ouh là là, moi j'arrête tout. C'est assez logique. Enfin, de mon point de vue, c'est assez logique. Donc forcément, tu as mis fin à cette relation. Et maintenant, tu n'arrêtes pas d'y penser. Tu n'arrêtes pas aussi de reconsidérer tous les points de ta vie en te disant que finalement, tu as travaillé comme un fou, mais... Mais pourquoi ? Travailler pour vivre ou vivre pour travailler ? Parce que la réussite sociale, c'est très bien, hein, moi je suis complètement d'accord, mais enfin, il y a quand même d'autres choses à côté. Il y a l'amour, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a le partage, il y a l'échange, il y a plein de choses. Enfin, je veux dire, ta vie ne peut pas se résumer à une journée de travail qui commence à 8h le matin et qui finit à 20h le soir. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On n'est pas formaté comme ça, c'est pas sain. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas sain. Moi, j'aime bien travailler. Je te dirais, j'adore mon travail, j'adore mon job. Mais j'ai plein d'à côté, parce que sinon, je pète un plomb, quoi.
toute la journée enfermée dans 15 mètres carrés à faire des consultations du matin au soir à travers le monde. Au bout d'un moment, tu as envie de sortir de ton bureau, de mettre un peu de musique, de faire l'andouille, de déboucher une bonne bouteille, et puis là, ça y est, c'est parti, quoi. Tu vois, le plaisir. Et je pense que là, ce que tu t'es peut-être rendu compte, c'est que bah, il n'y avait peut-être pas beaucoup de plaisir là-dedans, quoi. Il n'y avait peut-être pas beaucoup d'échanges, beaucoup d'émotions. Et toute cette routine confortable que tu as mis autour de toi, ben, là, tu es confronté, tu viens de la prendre en pleine tronche. Donc forcément, ça peut surprendre et ça peut faire mal, tout ça. Et en plus, si tu casses cette relation avec cette femme qui t'apportait, je dirais, un vent de fraîcheur et de bonne humeur, et de rire, et de plaisir, et tout ça, et puis ben là, ça n'y a plus. Voilà, retour au point de départ. Donc forcément, je pense que ça doit faire un vide. Et ta dernière question, tu me dis, mais pourquoi cette rencontre a eu lieu si c'est pour me faire autant de mal? Mais comme je te disais, à mon sens, en tout cas, les rencontres, elles sont prévues à l'avance. Donc peut-être que tu avais justement besoin d'une espèce de déclic pour te rendre compte que, en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas je travaille comme un âne et puis voilà, j'ai pas, je suis enfermée dans un truc où c'est parfait. Non. Non. Donc je pense que cette rencontre, elle t'a été envoyée pour justement te faire déclencher quelque chose en te disant « Non mais arrête quoi, arrête !» Il y a un film qui est très bien fait, en tout cas à mon sens, encore une fois, c'est le film, c'est un vieux film, hein, c'est avec Michael Douglas, c'est The Game, je ne sais pas si tu l'as vu, mais si tu ne l'as pas vu, je t'encourage à le regarder. C'est un homme qui est froid comme la pierre, qui a une vie professionnelle absolument fantastique, qui gagne beaucoup d'argent, qui vit dans une très belle maison, mais qui est très seul, en fait. Hein. Il est tout seul. Et son frère décide de lancer un jeu comme ça, un peu particulier. Regarde le film, tu verras, je pense que ça te fera cogiter sur certains trucs. Tu te diras, ah ouais, d'accord, ok, Elisabeth, je comprends le message. Mais moi, je pense que cette femme, elle t'a été envoyée pour qu'il y ait une prise de conscience. Tu as 50 ans. Donc 50 ans, c'est pas la fin du monde. 50 ans, pour moi, c'est très jeune. Et moi, je me dis toujours, si j'ai une prise de conscience à 40 ans, à 50 ans ou à 60 ans, et même si je change complètement de vie et que au final, ça dure que 2 ans ou que ça dure que 6 mois, bah, on s'en fout finalement. On s'en fout. Moi, je préfère être heureuse pendant 6 mois de ma vie qu'être malheureuse pendant 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que là, cette relation qui a eu lieu, avec qui tu as coupé les liens, bah, je suis sûre que 50 000 fois par jour, tu penses à elle. 50 000 fois par jour, tu as envie de l'appeler, mais tu sais pas s'il faut que tu l'appelles ou pas. Tu dois être enfermé dans une espèce de logique en te disant, est-ce qu'elle pense à moi? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que, je sais pas, enfin voilà, on se pose 50 000 questions. Et je trouve ça triste, finalement, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui s'aiment. Parfois même qui s'aiment trop, on s'aime beaucoup trop, et il y a énormément de gens qui sont en souffrance. Quand je vois des gens qui pleurent, qui sont malheureux, mais qui ont le cœur déchiqueté tellement ils sont malheureux, et pour une espèce de mauvaise raison, on se dit non mais on va arrêter là, c'est pas possible, on se fait du mal, etc. Et au final, au lieu d'être malheureux, au lieu d'être malheureux dans une situation qu'on n'arrive pas à vivre à deux, eh ben, on se sépare et là, on est malheureux, bah, chacun de notre côté, quoi. Hein? Mais on se fait du mal quand même, quoi. Il y a trop de gens, je pense, qui ne s'autorisent pas à vivre quelque chose juste parce que on a été formaté par notre éducation, nos parents, enfin, je pense que c'est dommage, en fait. Même si quelque chose ne dure que 6 mois. Alors attention, hein, je suis pas en train de vous dire allez, on s'en fout, on y va. Mais au bout d'un moment, le plus important, c'est d'être heureux toujours. Donc qu'est-ce qui te rend heureux, Jean-Charles? Qu'est-ce qui te rend heureux finalement? T'as envie de la voir, donc pourquoi tu vas pas la voir? Je pense que la meilleure façon aussi de se rendre compte qu'on aime quelqu'un, c'est quand on imagine qu'on pourrait le perdre. Donc imagine-toi, Jean-Charles, que cette femme que tu as aimée là pendant 6 mois, eh ben peut-être que ce matin, elle va prendre sa voiture et elle va se tuer en voiture. Je sais, c'est très dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Imagine-toi qu'elle va prendre sa voiture ce matin et elle va se tuer en voiture. Et tu n'auras plus jamais l'occasion de lui dire que tu l'aimes, tu n'auras jamais plus l'occasion de lui dire tout ce que tu ressens, parce qu'elle va mourir aujourd'hui. Et je pense que quand on imagine qu'on peut perdre la personne qu'on aime, même si c'est un amour qui est interdit, même si c'est un amour qui est compliqué, même si c'est tout ça,
Imagine-toi juste un instant que tu pourrais la perdre. Et tu verras que tu ne feras plus la même chose. C'est un gros déclencheur. Je sais que c'est très dur ce que je dis, parce que j'ai conscience hein, de la gravité de ce que je, de la situation dans laquelle je te provoque là. Mais je te provoque parce que justement, il faut aimer les gens comme s'ils allaient mourir. Donc, n'attends pas. La vie est très très con. La vie est très très con. Et les gens qui vont mourir ce matin, ils avaient tous des plans pour ce soir. Ils avaient tous des trucs à faire, ils avaient tous des trucs de prévu. La vie peut s'arrêter dans une seconde. Donc, moi, je te conseillerais tout simplement de vivre ce que tu as à vivre. De ne pas te murer, en fait, dans des interdits, dans des choses que tu t'interdis, toi, alors que c'est ce qui te rend heureux. Et quand on a des rencontres comme ça qui arrivent dans nos vies, eh ben, c'est justement pour qu'on ait une prise de conscience et qu'on se dise à un moment donné, mais arrête, arrête, t'auras jamais le contrôle sur tout, t'auras jamais le contrôle sur ta vie, sur tes sentiments, sur tes émotions. C'est pas vrai, on n'a pas de contrôle. Tu ne contrôles rien. La vie est faite comme ça. Et si tu as des émotions et un amour qui naît pour quelqu'un, même si tu es en couple, etc., bah c'est peut-être qu'il te manque un truc justement dans ton couple. Si tu avais été complètement équilibré dans ton couple et dans ta vie, je pense que ça ne serait pas arrivé non plus. Donc là, on est en train de te mettre une personne sur ton chemin pour te faire comprendre certaines choses. C'est à toi de le comprendre. Et si vraiment tu as besoin d'aide, je te conseille encore une fois de te faire accompagner par un thérapeute qui t'expliquera ça beaucoup mieux que moi, parce qu'il sera qualifié pour faire ça. Et surtout, il t'emmènera dans une réflexion pour te faire comprendre que... Voilà Jean-Charles, je te remercie en tout cas de m'avoir posé cette question. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour la vidéo numéro 16 avec la fenêtre de notre petit calendrier de l'Avent vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut !